les deux? Je dirais Strasbourg quand même, c'est l'histoire et puis l'attachement quand même à veiller à ce que Bruxelles ne soit pas la seule capitale européenne. Oui, mais Strasbourg sans Bruxelles ou Bruxelles sans Strasbourg, ça ne fonctionne donc pas. Donc ça marche en donc les deux. Ah bah là tu parles. Là c'est compliqué là. Allez, moi je dirais les deux. Moi je dirais le Pays de la Loire. Bon, non, les deux. Les deux. Voilà. La France est comme l'Europe, unie dans, voilà, unie dans la diversité. Plutôt unie, parce que c'est quand même ce qui va jouer beaucoup dans l'avenir proche de l'Union européenne. D'abord mettre en avant ce que nous avons de commun, avant de parler de ce qui nous différencie. Oui, mais je pense que les peuples n'ont pas envie d'être lissés, donc la diversité reste quand même très importante. Ouais. À politique de cohésion, ouais, moi aussi. Sans hésiter. Parce que dans le mode de gestion, par les autorités régionales, dans le choix des axes. Politique de cohésion, c'est la solidarité. Le choix des axes thématiques, clairement. Et puis les effets sur des petits projets. Le plan Juncker est peut-être, certes, important pour des projets très structurants, mais la politique de cohésion, c'est parfois quelques milliers d'euros, mais qui font toute la différence dans un territoire. Moi, je dirais s'appuyer sur les ressources, enfin sur RNB, la contribution des États, mais qui doit baisser au profit éventuellement d'une taxe sur les transactions financières, d'une taxe carbone. Les États sont exempts, donc on ne peut pas attendre tout de leur part. Impôt européen, je ne suis pas certain, je pense que ce serait mal perçu par les citoyens. Forcément, je réponds Sirius. Sirius est la mascotte des Maisons de l'Europe. C'est un petit Européen convaincu. Il a son petit sac à dos pour pouvoir voyager partout en Europe. Parce qu'il adore voyager. C'est le symbole de tous les Européens qui marchent ensemble, des milliers de pattes.